Vas-y, madame, convocation de l'EMA et. Ceux qui accompagnent, ils montent pas. Nous allons prendre le monde ou pas. Que les coureurs. La casquette, parce qu'on l'attendait, hein, celle-là. Ah bah, c'est clair. J'en ai deux. Il y a pas mal de pays qui sont représentés. Je les vois pas très très bien d'ici, pardon, mais en tout cas, bonne chance à tous les pays. Et puis bienvenue surtout sur notre île magnifique. Chers amis, vous êtes à quelques minutes du départ et nous souhaiterions vous souhaiter bien sûr un bon parcours. Pour faire un bon parcours, il faut de bons compétiteurs, comme vous êtes déjà. Il faut de bons pilotes. Nous en avons énormément. Une partie des élites qui avancent, comme je vous le rappelle, comme chaque année, donc il y a les élites qui vont donc se placer un petit peu en avant. Avec l'envie, bien évidemment, d'aller rallier la ligne d'arrivée à la route. Ils vont faire leur entrée, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous sommes à moins d'une minute du départ. Pour vous mettre tous à l'honneur, on voudrait vous voir tous les frontales allumées. Une frontale, un cœur qui bat. On veut voir tous les runners. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on les encule. Parti pour 165 km, 9600 de dénivelé positif. Nous avons 66 heures maxi pour rejoindre la redoute. Et là, on est en plein dedans. J'ai mis une vidéo, 15e kilomètre, plus que 150 km. Sieste de 5 minutes allongée dans l'herbe à côté du sentier à l'abri du vent, donc ça va me faire du bien. Thank you.
Il y avait un air de repos, alors du coup, pause obligatoire. Avec les autres coureurs du Grand Raid. Ah là, ils sont tous là. Ils sont tous là. Ah, il n'y a que ça dans le Grand Raid, c'est bien. J'aime bien. Bonsoir. 1678. Bienvenue chez l'île à Tétroissalaz. René Tisane, je vous en prie, entrez. Merci. Allez-y. Alors le taille 8, c'est 2h30 de montée. Et c'est démarche, démarche et démarche. Allons là, check. Super. Quand je suis en plein effort, j'ai envie de vomir quoi, en montée. J'ai du mal à respirer, peut-être à cause de la poussière qu'on a avalée sur tout le parcours, là. Poussière de terre là. Everybody's on their own. I wanna see the stars collide. I wanna see the burning sky inside you. You wear a permanent smile on your face, but you're bleeding from the inside. Never say what it's about, but I know, yeah, I know, yeah, I know that it's a lie that you never told me. I guess you sold me all the same. Everybody feels alone. Stars collide. I wanna see the burning sky inside you and I wanna go blind.
always be a shooting star. Cause I know, yeah I know, yeah I know that it's a lie. You shouldn't have told it. But I'll never hold it over you. Everybody feels alone. Everybody's on their own. Merci. 16,78. C'est important de filmer ce parcours. Oui, parce que ça permet de montrer aux autres coureurs la difficulté qu'on rencontre sur la course, les paysages, tout quoi. Voilà la boule du Colorado. On approche petit à petit. Alors on arrive au col et maintenant bah, il pleut. Fais-moi la réunion. Allez, s'il vous plaît, pour ceux qui sont avec nous ici, un maximum d'applaudissements pour notre brigade. Ici, c'est en moins de 64 heures. Il l'a fait, Pascal. Bien, ouais. Avec Pascal Martin. Ah ouais, bah j'imagine que t'es rincé, mon poteau. Tout donné, tout donné. C'est bon, mon Pascal, tu l'as fait. Du Colorado à la route. D'accord, on va les attendre, hein. Voilà, tout à fait, on est là. On est là.